vers 21h, ce dimanche 16 décembre, un petit groupe de migrants a tenté de pénétrer dans l'enceinte de la Comédie-Française, au centre de Paris, avant d'être repoussé une première fois par les gardiens. Plus de 200 autres migrants, originaires en majorité d'Afrique subsaharienne, les ont ensuite rejoints et ont à nouveau essayé de forcer l'entrée de la célèbre institution où était jouée Lucrèce Borgia de Victor Hugo, dont ils voulaient interrompre la représentation. Arrivés très rapidement sur place, les forces de l'ordre ont tiré une grenade lacrymogène et les migrants se sont ensuite assis, encerclés dans le calme par les forces de l'ordre. Peu avant minuit, les manifestants ont été orientés dans le calme vers la station de métro toute proche qu'ils ont regagnée au cri de « Des papiers pour tous », une action de collectif d'aide aux migrants. Cette action était à l'initiative du collectif d'aide aux migrants, La Chapelle Debout, et du collectif. Plus d'infos sur ouest-france.fr. Pour aller plus loin à lire aussi sur ouest-france.fr.